この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。I realized the moment I fell into the fissure that the book would not be destroyed as I had planned. It continued falling into that starry expanse of which I had only a fleeting glimpse. I've tried to speculate where it might have landed. I must admit, however, such conjecture is futile. Still, questions about whose hands might one day hold my missed book are unsettling to me. I know my apprehensions might never be allayed, and so I close, realizing that perhaps the ending has not yet been written. Quelle ambiance! Quel début magistral du jeu! On se retrouve, bonsoir, bonjour à tous, on se retrouve pour jouer ici à Myst sur le Sega Saturn. Bon, un jeu qui était plutôt multiplateforme, il est sorti un peu sur toutes les consoles à l'époque. Presque toutes les consoles. Un jeu d'aventure pot and click, voilà. Alors, je suis sûr que je vais pas prendre grand chose à beaucoup d'entre vous, mais. Voilà, donc on arrive sur une île, enfin on est plus ou moins retourné sur une île. Et on peut du coup, on se déplace avec le curseur. Alors, on est sur console, donc c'est pas forcément le plus pratique, hein. C'est plus pratique sur PC bien entendu. Voilà, donc on peut se battre dans un environnement en 3D, mais qui... Enfin c'est pré-rendu quoi. Voilà, il n'y a rien, aucune animation, il n'y a que dalle ou pas grand chose. Je peux par exemple aller vers là. Voilà, et dès le début ça commence, j'ai un petit interrupteur à activer, mais je sais déjà pas à la base de quoi ça va me servir quoi. Donc c'est parti, alors je peux pas aller au fond pour le moment. Ah si, je peux aller dans l'escalier, je peux monter. Je peux aller vers là. Et vous allez voir qu'on va trouver un petit livre sur le côté que nous allons lire. Catherine, je t'ai laissé un message très important. Dans notre chambre de devant, à côté du quai, entre le numéro des leviers sur cette île, dans le clavier pour retrouver le message amitié. Voilà. Donc pas grand chose. Le menu est ultra sommaire. À part Start. Voilà. Qui nous permet de sauvegarder, charger le jeu, changer les paramètres. D'ailleurs, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a dans les paramètres. Dans les paramètres, on a la vitesse. Alors, je vais mettre un petit peu plus élevé. L'intensité, donc ça, c'est les couleurs hein, foncées, brillantes. Et la vitesse du curseur.
Je vais peut-être un peu plus rapide. Ouais, voilà, ça sera quand même plus pratique. Et je peux donc sauvegarder, charger le jeu. On va faire sortie pour revenir en jeu. Donc là, on a lu le papier. Il disait qu'il y avait un code à aller chercher normalement dans la maison. On va pour le moment simplement revenir sur nos pas. Je vais voir s'il y a quelque chose à faire, cette partie-là. Alors vous vous doutez bien qu'on va bah, tout simplement découvrir le jeu ensemble. Je n'ai jamais joué à ce jeu. C'est-à-dire que là, vraiment, hormis les 10 premières secondes, enfin 30 premières secondes, pour voir si le jeu fonctionne, je n'ai pas fait grand-chose de plus. On va aller vers là. Je peux monter ici, tiens, par exemple. Là, on a un engrenage, par exemple. Et j'ai une sorte d'interrupteur. Bon, j'ai activé. Je sais absolument pas à quoi ça sert. Je peux aller sur le côté, vous voyez, et je peux revenir ici aussi et redescendre. Donc pour l'instant, on va revenir en arrière. On va essayer d'aller dans la maison qui est sur le côté. Alors, c'est typiquement un jeu d'exploration, de recherche avec des énigmes. Et il va falloir, bah, pour avancer, trouver un peu tout, chercher partout. C'est un principe point and click classique. À l'époque, c'était vraiment la mode. Alors, ça, c'est un peu perdu, mais grâce au smartphone actuellement, on a ce jeu qui est revenu un petit peu en. Pas à la mode, faut pas exagérer, mais qui est un petit peu revenu. On en a encore un. Je vais l'ouvrir, on aura fait les trois. Mais j'ai pas l'impression que ça marche. Ah, si, on peut rentrer. On a une sorte de tabouret, c'est assez bizarre. Alors là, si j'appuie ici, je peux allumer la. Voilà. L'intérieur, l'extérieur. On va sortir. Je vais d'abord. On va d'abord aller là où on nous a dit d'aller, c'est-à-dire à l'entrée. C'est un peu bizarre, hein. Comme vous pouvez voir, on est en face d'un. On dirait un temple, ça a l'air un petit peu ancien. On va avancer ici. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a une sorte de bibliothèque. On a, je crois que c'est un miroir, ça. Voilà. Et là, je peux pas aller sur les côtés. Par contre, qu'est-ce qui se passe si j'appuie ici? Ah! Apparemment, ça fait quelque chose. On va revenir en arrière. Il me semble, pour avoir déjà vu une vidéo sur ce jeu, que si on appuie ici. Oh, vous avez vu, petit passage secret avec la bibliothèque qui devient un escalier. Et du coup, si j'appuie ici, il se passe quoi maintenant? Bon, il se passe rien du tout. Ok. Voilà, c'est la seule chose que je connais dans ce jeu. Du coup, on va aller vers là. Alors attendez, non, juste avant, ce que je vous propose, c'est qu'on va lire le petit parchemin qui était vers là. Et regardez, on a la carte de l'île. Enfin, je pense que c'est la carte de l'île où on est. Rotation de la tour. Donc là, on voit que la rotation de la tour. Ah, je peux changer la rotation de la tour. Ok. Donc là, je l'ai mise vers le bas. Et là, est-ce que je peux changer encore la rotation? Bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse changer. Bon, on va la laisser comme ça. Ça se trouve, il y a un truc à faire. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a là? Si on appuie dessus, il se passe rien. Si on appuie sur les engrenages, on a rien du tout. On va revenir en arrière. Et pour revenir en arrière, en fait, il suffit juste de cliquer sur une zone extérieure en fait, de l'écran. Et on se retrouve. À l'écran précédent. On a un bouquin que l'on va s'empresser de regarder. Alors évidemment, il y aura beaucoup de choses à lire, mais là, ça va plutôt être une vidéo. Les vidéos sont très très petites dans ce jeu. Et on voit qu'on a un signal. Bon, bah voilà, on a un signal un peu noir, on sait pas trop ce qui se passe. Il va falloir que peut-être qu'il faut changer quelque chose pour que le signal marche, je sais pas. Là, par exemple, j'ai récupéré quelque chose. Qui es-tu? Tu dois m'aider, s'il te plaît. Apporte une page rouge. Je ne peux pas te voir. Il me faut une page rouge.
Il doit apporter une page rouge. Je crois que j'ai compris, oui, effectivement. Aide-moi. Je suis Cyrus. J'ai abandonné il y a longtemps. Il y a une seule chose que je dois être sauvé, tu dois... Tu dois me sauver. Ok. Donc on va revenir en arrière. Donc ça par exemple c'est un truc qu'il faut savoir, hein, qu'il faut utiliser le truc rouge sur le livre pour que ça ouvre une visio. Enfin franchement là je l'ai fait totalement au hasard. Et c'est passé. On va aller par là. Et du coup, attendez, je me rends compte qu'on a... Ok, ce coup... Oh regardez, on a un truc vert là. On a une cheminée aussi. Alors qu'est-ce que c'est? Plein de trucs, il y a plein de pièces. On est censé faire quoi ici? Là il n'y a rien. Si je clique là-dessus, il se passe rien. On va passer... On a une cheminée aussi, tiens. On peut aller voir la cheminée. Ah, on peut voir ce qu'il y a dans la cheminée, ok. Bon, je peux juste en ressortir. Bon, je pense qu'il y a un truc à faire, mais on va plutôt essayer d'aller ici, en plein milieu. Voir ce qu'on peut découvrir. Alors, c'est une ambiance particulière, hein, vous l'aurez compris. Je sais pas si c'est un jeu d'horreur ou si c'est juste un jeu d'aventure, concrètement. J'ai l'impression que c'est un jeu spécialement d'horreur, mais bon. Je pense que c'est le genre de jeu avec une ambiance. Écoutez quand même, les sons ambiance sont plutôt pas mal. Je vais peut-être un petit peu augmenter le son du jeu, d'ailleurs, je pense que le son est pas assez fort. On va rentrer un peu ici. Alors, je sais pas ce qu'on peut faire là. On peut aller juste tout droit. Si je fais ça, je tourne sur le côté, ok. Et je peux mettre que face à la porte, donc c'est parti. Ok. Alors. Ah, je crois que c'est une poignée ça, non? Ah, bah voilà, parfait. On ferme et on va appuyer sur le bouton pour monter. Ou descendre. Alors ce jeu à l'époque a eu un accueil très très bon accueil hein, en tout cas pour l'époque évidemment. Tout simplement parce qu'il était magnifique, considéré comme magnifique à l'époque dans son ambiance, son environnement par rapport à d'autres jeux. Mais par contre, il est considéré comme un jeu assez difficile. Là, je fais le tour, on peut voir derrière nous. Voilà, donc c'est un jeu qui logiquement va nous tenir en haleine si on, en tout cas on n'utilise pas d'aide, ça va être un petit peu compliqué. Alors du coup, là on peut voir que j'ai y a un livre, il y a un bouquin. Alors je peux peut-être monter, on va voir. On a une porte. Si je vais dessus, il se passe rien, ça a l'air fermé. Et c'est peut-être là où justement avec la carte, peut-être qu'il faut que j'oriente peut-être le faisceau. D'une autre manière. Alors là pour le moment on n'a rien. Rien du tout. On va faire le tour. Voilà, donc je vous l'accorde sur la chaîne, c'est assez bizarre d'avoir ce genre de jeu. Mais des fois ça m'arrive quand même de faire des jeux un peu différents. Et évidemment, bah, c'est un jeu qui est très très posé, très très calme. C'est le jeu de papa, de papy. Quand vous étiez gamin, vous vous disiez mais pourquoi il joue à ça alors qu'il y a tellement de meilleurs jeux, etc. Mais en fait c'est un jeu auquel on va jouer quand on a envie d'être posé, quand on a envie juste de réfléchir, de passer un moment dans une ambiance au calme. Je dis au calme parce que là on est au calme, mais c'est pas forcément le cas pour tous les jeux. Alors je vais fermer la porte. Je sais pas, peut-être qu'il faut que j'oriente la tour différemment. On va voir sur la carte si ça change quelque chose. Il faut être évidemment très très patient, vous l'aurez compris. On va faire des allers-retours de manière indéfinie dans ce jeu. On va du coup ouvrir la porte. Ah, il faut vraiment tout faire, hein. C'est vraiment réaliste quoi. Il faut appuyer sur les boutons. On va revenir dans la pièce. C'est vraiment, elle paraît beaucoup plus longue la pièce en retour qu'à l'aller. C'est assez bizarre. Ah, et le nombre d'écrans. Alors on va cliquer sur la carte et on va regarder donc l'orientation. Parce que je me demande si justement, regarde, on est allé jusqu'au bout. Et je pense que là...
Ah, jusqu'au point rouge, en fait, il fallait que je reste appuyé dessus. Ok. Eh bien, écoutez, on va pouvoir retourner. On va retourner. On va faire le tour, voilà, ici. On va encore tourner un peu ici. Alors, il montrait un livre rouge quand même, hein. Est-ce que le livre, je peux le prendre, par exemple? Attendez, on va cliquer dessus. Est-ce que je peux récupérer le livre? Non. Ok. Donc on va annuler. On va sortir de là. Donc je pensais qu'on pourrait prendre le livre peut-être. Parce que j'ai vu un bouquin en fait concrètement affiché. On va y retourner. Vous allez voir le nombre de clics qu'on va faire pour pouvoir aller d'une zone à une autre. Là on a 2, 3, 4. Ah non, je pensais que c'était plus court. Je me fais une mauvaise impression. On va réouvrir du coup la porte. On rentre. On tourne, on ferme la porte et on va passer du coup. On va monter. Alors je sais pas si c'est le bon angle, hein. Potentiellement il faut viser quelque chose avec l'angle, mais bon. On va voir si c'est ça. De toute façon j'ai pu changer que de ce côté, donc peut-être qu'il faut le faire. Peut-être que c'est le bon, j'espère que ça sera le bon angle d'ouverture. On va du coup sortir de là, voilà. Et on va se retrouver, on va aller en face. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un bouton ici. Ah non, c'est pas un bouton. On va remonter. Ah ben voilà, on a pris le bon angle. Du coup, c'est ouvert. On va pouvoir aller peut-être ici. Bah, en fait, ça nous montre l'engrenage. Nous montre l'engrenage. Donc c'est ouvert. Après, est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Bon, peut-être qu'on a réussi une des parties. Parce que là, honnêtement, je sais pas du tout ce que je dois faire, hein. Si j'appuie vers le haut, vers le bas, il se passe rien. J'ai aucun endroit cliquable qui va me ramener à un endroit où m'afficher quelque chose. Donc on va redescendre. On va redescendre. J'espère que c'est ça. On va donc fermer la porte toujours. Voilà. Non, l'ambiance sonore est pas mal. Enfin, en tout cas pour l'époque, elle est plutôt bien. Alors je rappelle qu'on est sur Saturn. Bon, je pense pas qu'il y ait de grosses différences avec la version PlayStation. Sûrement avec la version PC, évidemment, qui sera peut-être plus avec une meilleure résolution. Je crois qu'elle est sortie un peu. Je crois même qu'il est sorti sur Atari Jaguar. Et même sur Amiga, elle a dû sortir. Enfin, c'est vraiment un jeu qui a dû sortir partout. On sort là. Allez, on va sortir de la pièce et on va se rendre. Alors, elle parlait d'une chambre justement où il y aurait eu un code apparemment à rentrer. On va passer par là. On va passer ici, voilà. Le livre, on l'a vu. Donc, pour le moment. Il n'y a rien d'autre à faire. La cheminée, on l'a vu. Enfin, je pense l'avoir vu. On va aller voir ici. On a un truc vert, un truc bleu qu'on va utiliser sur le bouquin. Alors je vous lis pas parce que bon ça va. Je pense que ça fait le temps de le lire. Alors ce qui est drôle, c'est que la dernière phrase qu'il dit, elle est pas traduite, enfin je veux dire, il n'y a pas de sous-titres. Par contre c'est ultra creepy, putain sans déconner. C'est vraiment super creepy comme passage. Come to me, I want the blue page. S'il te plaît, aide-moi, je t'en supplie, je vais pas rester là pendant des années, j'en supplie. Donc là, bon, il n'y a rien. Ah, attendez, c'est quoi au-dessus là? Non, ça c'est juste les rabats. Bon, apparemment, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Enfin, en tout cas pour le moment. On va tourner. On va essayer de sortir. Comment on sort? Attendez, je suis en train de me dire là. C'est ici? Attendez, mais je suis bloqué en fait. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que je me suis bloqué là.
La porte est fermée, ok, jusque-là tout va bien. Ah, il faut peut-être que je... Bon, je l'avais ouvert cette porte. Bah ouais, mais je l'ai ouvert en affichant ici. Attendez. Comment on avait fait pour ouvrir la porte? Parce que là, là concrètement, je suis bloqué là. J'ai dû me bloquer, je sais pas en faisant quoi d'ailleurs. Tout à l'heure on était allé là, attendez. Là, si on appuie, il se passe rien. On est d'accord. Ok. On va aller là. Ah, on a notre tableau. Voilà. Donc on referme ça. Ok. Et logiquement, on va ouvrir de l'autre côté maintenant. Alors déjà, ça c'est pas mal. Enfin, c'est assez bizarre, c'est spécial, j'ai envie de dire, mais c'est quand même sympa. Hé? Qu'est-ce qu'on fout là? Alors là, je pense qu'il va falloir mettre une... on peut changer la couleur vert, rouge. Ok. Bon, j'ai envie de dire, peu importe, pour le moment, on sait pas trop ce qu'on doit faire. C'est quoi? J'active un interrupteur. Ah, je suis ressorti ici. Ok, et là on a un bateau. Attends. On a un bateau qui est coulé. Ce qui est assez bizarre, ce qui est assez étonnant, c'est que l'on... Bah, quand on était à l'entrée, vous voyez, c'est le même bateau qui est coulé là-bas. C'est wow, c'est bizarre. Oh, c'est vraiment bizarre. Enfin, je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous connaissez le jeu, si vous l'avez déjà vu. Enfin, pour ceux qui le connaissent pas, mais surtout à ceux qui l'ont jamais vu, c'est vraiment bizarre. Hein. Enfin, il se passe des trucs bizarres cette île. On a une fusée. Pourquoi on a une fusée? On va aller dessus. Bon, dans l'absolu, je les allume tous. Je sais pas si c'est un gros intérêt, hein, mais bon. Pour le moment, je peux pas rentrer. J'ai l'impression. On va passer par là. Un téléphérique aussi. C'est très 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 bizarre. On va revenir ici. Parce que ce qui m'intéresse de voir, à voir de cette manière, c'est de voir le code, le fameux code. Parce qu'il dit, je t'ai laissé un message très important dans notre chambre de devant, à côté du quai. Donc on va aller au quai. Entre le numéro de... On est d'accord que c'est pas un numéro caché. Dans le message, hein. Ok. Là, si je vais là, on est déjà allé. Je vais rentrer ici. On va quand même essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant à faire dedans. Alors, on avait joué à Atlantis sur Saturne aussi. Je trouve que les graphismes sont 10 fois mieux. On est sur Saturne, hein, je précise. J'avais testé la version Saturne d'Atlantis et franchement, le jeu est 10 fois plus beau qu'Atlantis, hein. Sur Play 1, il est un peu plus joli, effectivement aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si je m'assois, il se passe quoi? On a un viseur. Alors pour entrer une date, je sais pas si c'est un impact. Ah oui, on peut carrément changer d'année. On peut aller en l'an 0 et on peut aller jusqu'en l'an 9199 quand même. C'est quand même pas mal. Et si on fait... Alors, le dernier, je sais pas, midi. Par exemple, que je fais ça. Évidemment, ça ne marche pas. Je pense qu'il faut aller chercher la date quelque part. On aurait compris. C'est assez logique, hein, ce genre de truc. Pas forcément. Enfin, on change un jeu qui est quand même assez vieux, hein, donc évidemment, ça paraîtra pas nouveau maintenant. Mais c'est plutôt connu, ce genre de choses. On va. Bon, on va essayer d'aller vers le quai. J'ai sûrement oublié quelque chose sur le quai, je vois que ça. Si on va en face, par exemple, on peut rien faire. Je vais aller ici, vraiment au début. Ah non, faut que je fasse le tour. On va passer par là.
On va avancer. Est-ce que je peux redescendre? Peut-être descendre, hein, parce qu'il y a un truc à faire. Là, on a quoi? Si je me tourne, bon, on a ça. Ça, on l'avait, on l'a activé. Hein. On a tout mis, ouais. Je pense que l'interrupteur, j'ai tous appliqué. Alors après, est-ce que ça a un intérêt? Je saurais pas vous dire. Ah, j'ai deux endroits où je peux passer. Si je regarde vers là. Non, je peux aller qu'à droite ou à gauche. Ouais, on dirait que c'est exactement le même bateau qu'il y avait dans le puits. J'ai l'impression que c'est la même chose. Là-bas, on a un truc. Non, ça a l'air de débloquer. On va donc tourner là. Non, non, mais y a rien du tout. Y a rien du tout. On va essayer d'aller par là. Voilà, on va avancer. Je vais revenir un petit peu à cet endroit. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir. Bon, ça se trouve, c'est pas du tout ici. Voilà, on va avancer. On va passer par là. Ça s'est activé. Il y a un petit bruit de fond. Je sais pas si vous l'entendez. Non, là, je sais pas du tout. Alors là, je sais vraiment pas ce qu'on peut faire. Par contre, à cet endroit, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose, le fait d'appuyer ou pas. Si j'appuie là, il se passe rien. Si je vais vers là, je tourne. Juste la caméra. Non, je vois pas. Je vois pas du tout. Alors, un instant, je reprends tout de suite. Et donc, du coup, bon, on va essayer d'aller tout droit. Voilà, on va remonter. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie que j'ai pas faite, hein. C'est la partie avec le puits. On va du coup voir. Tac, tac, tac. Donc là, on l'a vu, elle nous l'a dit. Là, on a vu tout à l'heure, c'était la pièce où on pouvait changer de date, mais sans ce que je pense que ça, on pourra le faire plus tard. On va aller ici, au niveau du puits. Le puits, ça m'intrigue. Vraiment, ça m'intrigue. Voilà, on a le bateau. Mais je sais pas du tout ce qu'il faut faire avec ce bateau. On a un chemin en face, on va essayer d'y aller. On a carrément un village, une ville, ok. Ça s'est mis vers le haut, c'est bon. J'ai envie de le faire pour tout, hein, de toute façon. Comme ça, on est sûr qu'on a activé tout. Là, il n'y a rien. On va aller vers là. Non, non, il n'y a rien. Sur les côtés, j'ai l'impression qu'il n'y a rien pour le moment, donc on va avancer. Ah, voilà. Donc là, on a un petit... Alors, évidemment, ça... Ah, par contre, ça, c'est bizarre. Ah, si, c'est bon. C'est vers le haut. Ok. On va rentrer par là. Un escalier. Ouh là là, il est bizarre cet escalier. Regardez, il va dans tous les sens. On sait même pas où est-ce qu'on va arriver. Et on va du coup entrer par la porte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On a des boutons. Par contre, je sais absolument pas à quoi ça sert ce truc. Attendez. Ouais, lui il s'est mis à 0. L'autre il est à 14. Là il est à 9. Là il est à 0. Ok. Si je le mets là, 9. Si je le mets ici, il est à 16. Là, il a combien? Il a 8. Là, il est à 7. Là, il est à 10. Là, il est à 1. Là, il est à... j'appuie sur le même, je crois. Là, il est à 2. Là, il est à 22, ok. Et là, il est à combien?
à 19. Et là, il est à 9. Ok, donc c'est une salle de machine. J'ai l'impression que chaque bouton obtient un chiffre différent. Et à mon avis, mais évidemment, c'était une énigme, hein, vous aurez compris. Il va falloir que peut-être que je fasse un total, un chiffre. Ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, j'appuyais sur le bouton, ça faisait monter les deux d'affilée. Si j'appuyais là... Non, ça reste à 14. Il se mettait au même niveau, en fait. Non plus. Là, on est à 12. Normalement, si j'ai bien compris, si j'appuie là sur le premier et le deuxième, je devais avoir 3 en tout. Voilà. Ok. Donc en fait, il faut juste savoir quel chiffre correspond à quel chiffre. Et après, on doit pouvoir mettre le chiffre dont on a besoin. Et on a une feuille ici. Énergie. Énergie en engin spatial. Les interrupteurs du générateur. Ok, donc ça c'est la somme d'énergie. Ok. Bon, ok, on le sait, jusque-là c'est cool, mais par contre on sait pas à quoi ça va nous servir. Donc on va sortir de là. On va remonter. Voilà. On va sortir. Et on va aller vers là, dans cette zone-là. Voir un petit peu ce qu'on a au fond. Par contre, je suis pas sûr de pouvoir y aller. Et là, on a une valve. Ah! Ouh, ça sent pas bon. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas être bon. Ah ouais, non, en fait, il y a 8 combinaisons x 8, il y a 16 combinaisons en fait. Je suis sûr qu'il y a une combinaison qui va marcher. On peut la faire en brute force, il y en a pour 2 jours. Ah non, vous allez me prendre pour un bourrin là, c'est pas possible. Ah, je crois que j'avais réussi. Ah, par contre, regardez, on a l'heure. On a l'heure, donc si c'est 8-8. Alors attendez. Là, il est par exemple 8h. Bah, si on rate l'heure, il est 8h. 8h moins. 8h40. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? 8h40. Non, je peux pas avec ça. Mais vous voyez, quand je la tourne, en fait, je vois aucune différence. Donc, à mon avis. Je sais pas combien de tours faut te faire. Bon, ça semble pas être ici. On va essayer de retenir. On va essayer de retenir 8h40. Ah non, ça a fait bouger. Ça a fait bouger l'heure, ok. On va regarder. Ok, c'est moi qui change l'heure. Ok, ok, j'ai compris. Ah mais alors du coup, on a une date à choisir dans une pièce, on a une heure à changer dans... Ici, donc on ne connaît pas l'heure. On va revenir en arrière, parce qu'à mon avis, il faut absolument qu'on trouve quelque chose qui correspond à des chiffres à renseigner, parce que sincèrement, je sais pas du tout... C'est pas quelque chose qu'on va deviner comme ça, hein. Il va falloir faire preuve de... d'intelligence. Je suis pas du tout doué à ce genre de jeu. Bon, la vidéo devrait durer environ 1 heure, je préfère le préciser quand même. Vous attendez pas à ce qu'on y joue 10 heures d'affilée. On va juste voir un petit peu comment quelqu'un qui découvre le jeu peut s'en sortir. Je vais retourner là-bas. Ouais. Bon, enfin, comme imaginé. La porte, je ne peux pas la prendre, donc... Derrière. Bon, faut que je trouve un moyen de savoir quelle date renseigner. Quelle date utiliser. Je vais revenir ici. Écoutez, hein, pour le moment, on va faire avec. Voilà. La cheminée, bon, on a vu qu'il n'y avait rien.
En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose, hein. On l'a déjà faite. Ah, il y a un bouton! Il y a un bouton! Ok. Donc on a un bouton là. Mais on a quelque chose qui s'est pas activé. Ok. Donc on va faire. On va sortir. On va sortir, on va sortir. Eh, vous avez vu, je l'ai pas vu, hein, ce bouton. Voilà, donc là on a deux boutons. Ça c'est pour ouvrir. Je crois que c'est pour ouvrir la porte. Donc celui-là, ça ouvre cette partie-là. D'accord. Donc on va réappuyer dessus. Non, ça marche pas. Ok, donc on va revenir là. On va faire le tour. On va réappuyer dessus. Comme ça, on remonte. Maintenant, on va appuyer sur celui-là directement. Ah, ok, d'accord, donc c'est l'un pour l'autre, l'un pour. Ok. Donc j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose finalement, ça. On va. Allez, regardez, on a des bouquins. On a un bouquin vert. J'ai appelé cet âge. C'est un monde très différent, mais que ce soit exactement comme je l'imaginais. C'est étrange de le voir de mes propres yeux. L'eau court, cet âge aussi loin que je puisse. Voir, mis à part une petite île. D'ailleurs, il n'y a que ces arbres qui sortent directement de l'eau. Une myriade de paysages en bois sont construits juste au-dessus de l'eau et disparaissent dans la forêt. Je suppose qu'ils ont été construits il y a longtemps car ils sont vieux. J'ai hâte de faire plus de découvertes dans ce monde sur son peuple. Je suis arrivé tard, je me reposais. J'ai été réveillé ce matin par des bruits étranges en provenance du chemin adjacent à celui sur lequel j'ai dormi. J'ai vu un groupe de gens ressemblant à des singes se diriger dans ma direction. Ils n'avaient pas encore vu, je ne me suis pas senti menacé par leur présence. Leur attitude envers moi fut quelque chose que je n'avais jamais prévu. Après avoir fixé les yeux pendant un court instant, ils sont tombés à genoux et ont commencé ce qui semblait être une sorte d'adoration rituelle. J'ai essayé de leur parler, mais ils ne comprenaient pas ma langue. Au lieu de cela, ils m'ont indiqué avec des mouvements de main enthousiasme que je devais suivre. Pendant que nous marchions, j'ai commencé à remarquer de l'eau en dessous de. Que l'eau en dessous de nous changeait de couleur. Doucement, subtilement, elle passait du bleu foncé à orange tenu, puis de orange tenu à une clarté merveilleuse. J'étais si intrigué par l'eau que j'avais à peine remarqué que nous étions arrivés à une échelle. En montant l'échelle, nous sommes arrivés à leur village qui est situé à 10 mètres environ au-dessus de l'eau et que l'on ne peut atteindre que par des échelles de cordes qui sont des. Alors, j'ai pas à lire. Qui font des chemins en plus bas jusqu'au niveau du village, environ la moitié des grands arbres. Il est intéressant d'observer ces gens en train d'exécuter leurs tâches quotidiennes, même après les avoir regardés pendant des heures. Je ne comprenais pas tout à fait ce qu'ils faisaient. Au coucher de soleil, ils m'ont fait un signe de les suivre. J'ai suivi les créatures jusqu'à la porte d'une énorme hutte. Étrangement, une fois à l'intérieur, la hutte semblait plus grande qu'elle apparaissait à l'extérieur, de l'extérieur. Les murs étaient décorés de métaux brillants au milieu de la hutte. Et au milieu de la hutte était assis le chef de ce peuple. Du moins, il semblait être leur chef puisqu'il était assis à 1 mètre du sol sur un large trône. Les gardes entouraient la forte créature qui était vêtue de nombreuses matières exotiques qui coloraient. À côté du chef était assis un très vieil humain, du moins. Il semblait humain dans un certain de mesure. Ses longs cheveux, sa lombarde étaient complètement gris, presque blanc. Sa petite tête était accrochée. Alors, je vous lis un peu plus vite parce qu'on va essayer d'avancer. On m'a donné une. Donc là, il raconte un petit peu, bon voilà, son aventure. En partie des langues habitants des arbres, qui n'est pas les autres langues. Il suit ma meilleure traduction. Il y a de nombreuses années, les humains et les habitants des arbres habitaient ensemble dans cet endroit. Il y a des choses à lire. Hein. C'est perdu par de merveilleux grondements qui produisaient sans se prévenir. Une sorte d'activité tectonique ou volcanique. Tout seul et revenait le jour normal. Hein. L'île, doucement tournant. Hein. Je suis pas cette histoire, vélo me l'a raconté. Beaucoup de détails ne sont pas clairs dans mon esprit. Je ne comprends pas en partie comment les humains ont empêché l'île de couler complètement. Hein. Il met en redoute les attitudes de l'île de la.
exactitude de l'histoire. Ils ont commencé une procession en se dirigeant vers l'échelle de corde la plus proche. Alors que je descendais, j'ai aperçu plusieurs d'entre eux ramasser le corps. Il s'est tombé sur le chemin plus bas. Ressemblait à une jetée. À l'aide de la potion, à l'aide d'une potion, l'une des créatures des arbres mit le feu à la jetée et j'ai regardé les flammes l'engloutir. Ça fait une dernière potion. Ce matin, je me suis réveillé en ayant du mal à croire l'événement de la nuit dernière. L'eau est vert fade autant que je puisse voir. Je ne sais pas pourquoi, mais l'eau ne change plus de couleur. J'ai plus ou moins vécu dans ce monde. Pendant 3 mois, et les habitants des arbres ont fait une preuve d'une grande hospitalité. Je commence à quelques mots de leur langue. Je suis entré dans leur maison pour un séjour prolongé. Blabla. Ils parlent de Cyrus et Ashmar. Alors évidemment, ça, il faut le lire. On va pas tout lire. On passe au vert. Alors, vous pouvez faire pause et tout lire, hein, concrètement. C'est marrant, c'est que ça change de couleur à chaque fois. Bon, j'essaie d'avancer un petit peu quand même, déjà 41 minutes, mon monsieur. Ah! Regarde, on a une pale. On a une pale ici. Et du coup, tant ces couleurs avant que je revienne dans cet âge. Va faire confiance, Caton va également m'aider à décider qu'ils sont prêts pour voyager seuls. Pour le moment, je dois faire mes adieux à créature car je ne sais pas combien de temps s'écoulera avant que je revienne dans cet âge. Donc là, on a une sorte de plan avec une hutte aussi en hauteur et on a des pales. Ok. Je suis sûr que c'est une position de pale à utiliser. Enfin, en général, c'est toujours le genre de truc à faire. Bon, il n'y a plus rien. On va revenir en arrière. Alors là, j'ai lu un livre vert, mais il y a peut-être un livre bleu à lire. Oula. Alors attends, on a tout ça à lire. Alors, il y a de la lecture, hein. Franchement, il y a beaucoup de choses à voir. Voilà. J'essaie de créer un bateau en dérivant un. Je regarde un petit peu le bateau. Alors vous allez dire, ouais, mais normalement, quand tu fais ce genre de jeu, il faut tout lire. Mais évidemment, on est d'accord. Mais c'est juste que là, bon, c'est super long. Enfin, bon, pour 1 heure, il faut que j'avance un petit peu. Blabla. Donc là, il y a le phare. Donc on voit le phare, ok. On a encore un plan aussi ici. Moi, ce qui m'intéresserait surtout, ce serait de voir Stumpship. C'est quoi ça? Je pense que c'est on dirait un mécanisme. Ok. Je sais pas ce que c'est. Oh, regardez, on a plein de trucs. On a un serpent, on a un œil, on a une sorte d'araignée, on a une sorte. Ça, c'est sûrement des indices. C'est toujours ça comme ça dans le jeu. Ah, regardez. Là, on a la fameuse fleur, la fameuse feuille qu'on a vue tout à l'heure. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on voit des points sur une carte, comme si, je sais pas, je sais pas ce que c'est. Si je vais là, il n'y a plus rien. On va voir s'il n'y a rien de caché derrière, on sait jamais. Ok, et si je lis n'importe quel livre, est-ce que j'ouvre un truc? Là, on a un livre noir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez, on a tous les bouquins, mon Dieu! Tous les bouquins montrent des schémas, mais c'est incroyable! Regardez tout ce qu'il y a. Est-ce que si j'ouvre ce livre, on va en avoir un autre? Oui, on a un livre, un autre livre. Oui, il est mort, lui. Alors lui, par contre, il a pris cher. Hein. Tout brûlé. Le livre bleu au milieu. Il a brûlé. Ah, c'est bizarre qu'ils aient brûlé, d'ailleurs. Ah, on a un livre marron. Non plus. D'accord, on va pas tout lire non plus, quoi. Il a l'air mort aussi. Ah, ils sont tous... La moitié des livres sont totalement décimés. Par contre, eux, alors en forme.
Avant d'arriver dans cet état, j'étais bien décidé que cela serait un voyage vers un monde très différent. Là, là. Ok. Il y a plein de schémas, hein, plein de schémas. Calcul. Voilà, c'est pareil, il y a l'engrenage. Le pavillon de bastion noir. Tatatac. Bon, heureusement qu'on n'a pas tout lu, parce que sinon on avait pour 15 jours. Alors. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on pourrait voir? Ah, ce bouquin, l'armor aussi. Les illustrations sont bien faites, hein, mine de rien, je trouve, hein, pour ce genre de papier. Ah, tout est cramé, hein. C'est un petit peu dommage. Et là, c'est pareil. Bon, bah, je pense qu'on a vu la bibliothèque. Il y avait sûrement quelque chose d'autre à faire, mais je ne l'ai pas fait. On va revenir sur la carte. On va voir si on n'a pas autre chose à tourner. Alors, c'était pas ici. Oui, je voulais revenir là aussi d'ailleurs. Attendez. On va revenir ici. Ouais, non. Il y a sûrement un truc à activer que je n'ai pas activé, vous l'aurez compris. Donc, du coup, on va ouvrir. On va revenir ici. Voilà. Je vais juste retourner dans la cheminée, voir si ça a un impact. Tout ça n'a pas, hein, mais. Ah, ben d'ailleurs, la cheminée a disparu. J'ai l'impression qu'elle a disparu. Non, elle est là. Elle est là, elle est là. On va revenir dans la cheminée. On va appuyer sur le bouton. Semble pas bon. Et en plus, je peux pas aller sur les côtés, donc on peut pas changer. Bon, mais écoutez. Oh! Mais c'est ça! Regardez dans le lit tout à l'heure, on avait un schéma avec plein de codes différents. Alors là, par contre, ça veut dire qu'il faut que je reproduise le schéma. Alors attendez, 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 je veux absolument tester ce truc. Écoutez, on est à 47 minutes. On bloque un peu, sincèrement. Donc on va essayer de. Il non, faut que je revienne. On va essayer de réafficher un schéma. Ah non, c'était pas là où je voulais aller. Ici, c'était ici. Alors c'est un peu long, évidemment c'est des genres de jeux où c'est assez long de naviguer, on navigue pas forcément de manière fluide. Voilà, on va remettre ça. Et on va aller chercher le code. Je crois que le code, il était vers là. Non, ça c'était un bouquin mort. Non. J'ai oublié où je l'avais mis le code. Non, c'était pas ça. C'était pas ça, c'était peut-être ici. Non plus. Ah, je crois que c'était ça. Ah, je vais avancer un peu. Non, c'était pas ça. Je crois qu'on l'a trouvé vers le bas. Non, ils sont morts. Ah, maintenant que j'ai trouvé, j'espère que je vais retrouver. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, alors vous savez quoi? Je vais prendre un imprimante screen pour essayer de m'en sortir parce que je vous avoue, je vais pas m'en souvenir. Hein. Donc, vraiment, on est censé reproduire le schéma. Donc, du coup, je vais déplacer tout ça là. Voilà, on va le faire un petit peu pas à l'ancienne, mais presque en sauvegardant ce truc. On va essayer. Voilà, donc là, je l'ai enregistré. Je vais prendre le premier schéma, je sais pas si ça va changer quelque chose. On va faire ça. On va aller dans la cheminée. La cheminée, la cheminée, la cheminée. En fait, peu importe qu'elle soit ouverte ou pas, hein, la cheminée, vous aurez compris. Ah, pourquoi je suis sorti? Non, je veux pas sortir. Elle est là. Et du coup, je vais reproduire le code que j'ai eu tout à l'heure. Donc, on va rentrer dedans. Voilà, on va fermer. Et regardez, donc là c'est parti. Alors c'était pas ça, hein. C'est comme ça. Voilà, on va du coup prendre ça.
On va prendre 4. Alors c'est 3. 4. Attendez, j'ai mal appuyé. 4. Ok. On va décaler comme ça. Là, je suis en train de faire le schéma, le premier schéma. Hein. Premier schéma qu'on a trouvé. J'espère qu'il va se passer quelque chose. Oh. Bon, on va tenter le deuxième schéma. On sait jamais, hein. À mon avis, il faut savoir le schéma appliqué. Je vois que ça, on doit le deviner, pas le deviner, le trouver quelque part. Alors attendez, hein. On va essayer de faire celui-là, c'est le deuxième. Écoutez, si ça marche pas, ça marche pas, on aurait essayé. Mais en tout cas, ça correspond bien, c'est exactement le même tableau. Donc le tableau devrait marcher. Voilà. Les effets sont plutôt bien faits aussi, je trouve. Alors il y a deux d'écart par contre. Non, mais c'est pas bon. C'est pas bon, voilà. On va mettre le 4. Là, c'est bon. Là, on va mettre un de travers. Non, ils sont côte à côte. Voilà. Là, on ferme ça, ça, ça. Il y en a encore deux. Bah, écoutez, c'est la grande déception. Je pensais qu'on aurait débloqué quelque chose. Il se passe absolument rien. Rien du tout. Faut que je valide peut-être, je sais pas. Je revois une dernière fois si je me suis pas trompé, parce que si ça se trouve, peut-être qu'il y a une erreur, c'est possible. 4, 2, 2. Non, puis je vois rien pour valider. Je vois rien du tout. Si je fais start, j'ai pas d'accès au menu. Et si je vais là. Si j'appuie là, bah évidemment je vais le. Réactiver. Bon, bah écoutez, c'était pas ce code-là. Alors potentiellement, il y en avait un à faire, donc on peut pas tous les faire. Bah, je sais pas trop quoi faire de plus. Sincèrement, là, je suis déjà bloqué. Je vais réouvrir. Je vais réouvrir le SAS. On va voir si par hasard, il n'y aurait pas quelque chose à faire encore, j'aurais oublié. Surtout que je vais revoir la carte sur le côté. Voilà, on rendra la carte ici. Et on va essayer de replacer la. Ah, mais attendez, il y a un angle à faire. Bon, bah c'est pas grave, on va voir avec un angle différent ce que ça donne. On va tester, on va y retourner. C'est une dernière chose qu'on va tester, hein, de toute façon. Dans cette vidéo, je vous préviens. Donc, on va voir si ça peut marcher ou pas. J'aimerais aller ici, c'est possible ou pas? Ouais. On va la refaire tourner si ça marche pas. De toute façon, on peut la faire tourner tant qu'on veut, finalement, vous aurez compris. Bon, évidemment, faut retourner à chaque fois là-dessus. Voilà, on rentre. Ah, et on va remonter. Alors, si vous avez joué à Myst, évidemment, je pense que vous devez être en train de rager copieusement sur la lenteur pour trouver des réponses aux énigmes. Écoutez, c'est le principe du jeu, hein, de toute façon. Chacun va y aller de sa manière, chacun va trouver des choses que d'autres n'ont pas trouvées. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a l'époque sans Solus, je pense que il y avait moyen de. Il y avait moyen de galérer longtemps, hein. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Je sais pas ce que je suis censé viser. On va retenter. Donc là, on va revenir. Ah là là, ces fameux chemins super rapides.
Voilà. Et on va essayer de voir s'il y a un angle qui lui correspond. Mais je vois qu'il y a une ligne rouge. Donc peut-être que on va se fier au. Ah, ça va se fier à la ligne rouge du. De l'angle. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'énigmes, mais vraiment énormément dans cette île. On va voir un peu ici. Ah, oh, il faut peut-être viser. Attendez. Ah, en plus, c'était que je relâche, ça tombe sans. Ouh là là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est précis au millimètre près. Bon, on va la faire viser vers là. Je sais même pas si c'est par là qu'il faut la faire viser, hein, complètement. On va tenter, on va sortir. Écoutez, si on trouve pas, on trouve pas, hein. C'est la vie. on va voir si c'est ça ou pas. Est-ce qu'on aura réussi? Normalement, il y a sûrement quelque chose qui nous aide pour nous dire, voilà, mais cet angle-là. Puis ça se trouve, c'est un indice qu'on ne peut pas faire au début. Ça se trouve, c'est un indice qui est résolvable plus tard. Pas forcément dans un ordre auquel on pense. Bon, on va voir. Je n'ai aucun moyen de savoir en tout cas si c'est bon à l'avance, hein, donc on va tester. Et écoutez, si ça marche pas, ça marche pas. On aura essayé. Voilà. On va remonter. Ah oui, on va remonter. Il nous montre quand même un livre. Il nous montre un livre. Ah bah non, c'est un mur. C'est un mur. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va pas insister. Enfin, on va pas insister. On insistera peut-être en off ou en live, on verra. Donc c'était Myst sur Saturne. Sega Saturne. Donc je veux surtout que la version soit pire que la version PlayStation, dans le sens que les versions doivent se valoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, bien entendu, même si c'est très très long. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!